À cette époque, d'immenses pinèdes couvraient encore la longue chaîne de montagnes qui borde notre Méditerranée, et l'on disait, sans trop exagérer, qu'il était possible, en partant d'Aix, d'aller à pied jusqu'à Nice sans passer au soleil. Sous ce couvert, dans les bruyères, les genêts, les chênes kermesses, Se cachaient des compagnies de perdrix, des lapins qui s'étaient déjà préparés pour la broche en se nourrissant de thym et de grands lièvres presque rouges. Puis, selon la saison, arrivaient des vols de grives, des essaims des tourneaux, des bandes de culs blancs, de solitaires bécasses, et dans les hautes vallées, des familles de sangliers qui descendaient parfois en hiver jusqu'aux abords des villages. C'est pourquoi Pic-Bouffig avait renoncé de bonne heure à l'agriculture pour consacrer toute son activité au braconnage. La vente clandestine du gibier aux auberges d'Aubagne, de Roquevert ou de Pichauris était un bien meilleur rapport que la culture du pois chiche ou la cueillette des olives. Il n'avait même pas un jardin potager et l'on disait qu'il n'aurait pas su faire la différence entre une rave et un topinambour il achetait tous ses légumes et mangeait de la viande tous les jours comme un estivant c'est-à-dire qu'il était bien plus heureux que les gros richards d'aubagne qui se font tant de mauvais sang pour leur argent mais ce bonheur avait été un jour traversé par un drame qui devait porter à son comble la gloire de Pic Bouffig lorsqu'on vit si souvent les gendarmes au village et dans les deux journaux différents que recevaient monsieur le curé et monsieur le maire le portrait du fier braconnier six mois plus tôt un étranger du dehors était venu un jour s'installer au village des Ombrés, de l'autre côté de la colline. Il arrivait, on ne savait d'où, mais certainement du nord, car il avait cet accent ridicule qui supprime les E muets, comme dans les chansons de Paris. Et de plus, il ne quittait jamais un grand chapeau noir, parce qu'il avait peur du soleil. C'était un homme de haute taille, avec des mains épaisses et lourdes, une grosse figure rougeaude. Et des cils roux à ses yeux bleus. Il s'appelait d'un nom étrange, Siméon. Il avait acheté un petit cabanon dans la colline, juste au-dessus des ombrées et il y vivait avec une vaste femme qui cultivait des légumes dans le petit jardin et nourrissait cinq ou six poules. Ce Siméon affectait un grand mépris pour les indigènes qui le regardaient de travers. Chaque année, il prenait un permis de chasse pour justifier ses courses dans les collines, mais le fusil n'était pas son arme principale. En réalité, il tendait des pièges, des lecs, des collets et des gluots très fins autour de petits abreuvoirs bien cachés qu'il allait remplir d'eau tous les jours. Deux fois par semaine, il partait pour Marseille à bicyclette. Il mettait un bleu de plombier et fixait sur le porte-bagage une grosse boîte à outils qui était pleine de grives, de lapins et de perdrix. Sur le couvercle, il attachait une énorme clé à tube et un gros robinet de cuivre tout neuf. Qu'il braconna, cela ne choquait personne. Aux Ombrés, tout le monde en faisait autant et les collines étaient immenses. Mais on s'aperçut bientôt qu'il volait les pièges des autres. De tous les vols, c'est le plus odieux. Deux hommes des ombrets, étant allés lui faire de sanglants reproches, revinrent tous sanglants eux-mêmes. Sur quoi, un beau soir de juillet, une douzaine de jeunes l'attendirent sur le sentier de la Baume Rouge, et le rapportèrent chez lui, étendu sur une échelle que le menuisier leur avait prêtée, en chantant une sorte de cantique qui disait en provençal ⁇ Tu t'en vas et tu nous quittes Adieu, pauvre Carmentran. La figure de Siméon était violette, ses narines inégales sous ses yeux dépareillés. Il ne quitta pas les ombrés, mais il comprit toute la valeur de cette cérémonie lorsque le boulanger, tout en pesant son pain, lui déclara qu'il s'agissait d'un simple avertissement. Il décida donc d'aller chasser beaucoup plus loin, de l'autre côté de la tête rouge. C'est ainsi qu'il empiéta sur le domaine des Bastides que Pic Bouffig considérait comme le sien. Il s'aperçut très vite que quelqu'un venait piéger ses lapins et ses perdrix. Il fit une petite enquête aux Bastides parmi ceux qu'il considérait comme des ayants droit. Le résultat fut négatif, mais quelques jours plus tard après un orage, il put suivre sur un sentier la piste de l'inconnu. Quelques empreintes si grandes qu'elles n'étaient certainement pas celles d'un pied du village. Un tel mégapode y eût été célèbre depuis longtemps. Il pensa alors qu'il s'agissait d'un braconnier d'Aubagne ou des Ombrés et jugea qu'il avait un brave toupet. Toutefois, selon la tradition, il respecta le piège. Mais huit jours plus tard, il fit une crise de rage lorsqu'il s'aperçut que l'inconnu lui volait les siens. Il les surveilla donc de très près. Et dans les gorges de la refresquière, il prit l'homme au chapeau sur le fait. Sans être intimidé le moins du monde par la taille du voleur, et quoiqu'il n'eût pas pris son fusil, il l'injuria vertement et le somma de lui restituer tous les pièges disparus, plus cent francs d'amende. L'autre feignit alors de lui tendre humblement celui qu'il venait de voler et le saisit soudain à la gorge. Pic-Boufig, surpris, à demi suffoqué, reçut une belle rouste. Pendant qu'il essayait de reprendre ses esprits, les deux yeux pochés de part et d'autre d'une bosse bleue. L'étranger lui arracha sa besace, prit les six pièges qu'elle contenait et lui fit défense de ne jamais reparaître dans ses collines. Pique Bouffy, gasommé et stupéfait, n'eut pas la force de répondre à ces injurieuses menaces et le regarda partir sans mot dire. Il rentra chez lui, assez péniblement, et il y resta deux jours. Pensant sa blessure avec des herbes, préparant dans sa tête meurtrie sa vengeance. Le matin du troisième jour, elle sentit il sentit qu'il était guéri et vit avec plaisir que sa figure ne portait plus trace de la bagarre. Il déjeuna d'un bel oignon, d'une bonne poignée d'amandes qu'il cassait entre deux pierres sur un coin de la table et but un grand verre de vin. Puis Réunit tous les pièges à lapins. Il en avait une douzaine. Il alla les tendre tout autour des romarins sur les coteaux. Pendant l'opération, il répéta plusieurs fois, comme pour se remémorer une chose importante Il m'en faut qu'un pour demain soir, mais il me le faut. Après quoi, il rentra chez lui et prit en main son calibre 12. Ce fusil, c'était son luxe et son orgueil. Il l'avait acheté d'occasion chez un armurier d'Aubagne. C'était un fusil qu'il appelait Neimerless. Il tirait une poudre spéciale d'un jaune brillant qui eût fait éclater tous les fusils du village, mais le Neimerless supportait gaillardement. Il le regarda, le souposa, fit jouer le verrou, le referma et dit tout à coup Non, pas celui-là, il est trop connu. Il monta au grenier. Il en redescendit avec le vieux, très vieux fusil à piston de son père, une longue et lourde pétoire qui se chargeait par la gueule. Il retrouva la poire à poudre, les capsules dont on coiffait la petite cheminée, coula une balle en faisant fondre un morceau de tuyau de plomb, et mâcha longuement une boule à papier pour en faire une bourre. Enfin, il chargea minutieusement l'arme vénérable et la cacha dans la haute pendule. Il prit ensuite le nemerles, dévissa la mire, la roula dans un morceau de papier et alla cacher le petit paquet dans le trou d'une racine d'olivier habitée par une colonie de guêpes capables d'écarter d'improbables curieux. Enfin, il partit pour les bastides. Il passa d'abord chez le boulanger. On lui dit qu'il pétrissait au fournil. Il demanda alors à la boulangère si elle n'avait pas un peu de tisane des quatre fleurs parce qu'il avait de terribles crampes d'estomac depuis deux jours. Elle le renvoya à la femme de ménage du cercle qui en composait un mélange fameux avec des herbes de la colline. Il s'arrêta au fournil, confia son fusil au boulanger en le priant de le remettre au facteur le lendemain matin afin qu'il le portât à l'armurier de Saint-Marcel pour remplacer la mire qu'il avait, dit-il, perdue dans la colline. « Oh, malheureux, dit le boulanger, il ne pourra pas te le rapporter avant au moins une semaine. Comment vas-tu faire sans fusil pendant sept jours il ouais, faut que je me repose, dit Pic Bouffig. « Je sais pas ce que j'ai, euh, mon estomac est tout de travers. La tête me tourne. J'ai mangé des champignons avant-hier. C'est peut-être ça. Pourtant, je les connais bien. Ça arrive, dit le boulanger. Ça arrive que les bons fassent du mal quand ils poussent sur un endroit où il y en a des venimeux. Ça vous tue pas, mais ça vous dérange. Il alla ensuite au cercle, traversa la partie de boule d'une démarche incertaine. Les joueurs lui demandèrent ce qu'il avait. Et il décrivit les champignons suspects. Cependant, Philoxène le forçait à boire un petit verre de chartreuse pour calmer les crampes qui le pliaient en deux au beau milieu d'une phrase. Il repartit, son paquet d'herbes à tisane sous le bras. Le lendemain matin, à l'aube, il fit la tournée des douze pièges. Il avait pris trois lapins, dont un très gros mâle qui gigotait encore en tirant sur ses pattes brisées. Il l'acheva d'un coup de tranchant de la main derrière les oreilles et dit avec plaisir « C'est celui-là qu'il me fallait. » Et puis il regarda le lapin et dit en provençal ces paroles mystérieuses « Oh, pauvre mâle, c'est un piège qui t'a pris. Et maintenant, le piège, c'est toi. » Il le déposa dans la grande armoire et puis, les mains dans les poches, il prit le chemin des collines. Il emportait dans son carnier un casse-croûte avec une bouteille de vin et sa petite longue-vue. C'était une vieille lunette de marine qui lui servait d'ordinaire à surveiller l'arrivée possible des gendarmes. En se glissant de vallon en ravin, il gagna le bord du plateau du solitaire et s'installa entre deux blocs de roche derrière un cadre, d'où il pouvait surveiller le paysage du côté des ombrés. Il vit au loin passer un bon vieux qui portait avec peine un fagot de bois mort, puis une charrette de bouquetier, et puis trois jeunes gens penchés en avant sous de gros sacs tyroliens. Mais il lui fallut attendre presque toute la journée pour voir paraître enfin son ennemi. Il arriva vers les cinq heures, sous un grand chapeau, par le fond du vallon. Il remonta le long d'un sentier oblique qui escaladait le coteau rocheux, juste sous les pieds du guetteur. Ce coteau s'arrêtait à la base d'un apic de roche, et tout le long de cette muraille, il y avait un épais fourré de cistes. De térebintes, de cades, que Pic Boufig connaissait bien, car il y prenait chaque année quelques douzaines de lapins. Le siméon pénétra sous la haute broussaille. Pic Boufig ne le voyait plus, mais il surveillait la pointe des branches. Il constata que l'homme s'était arrêté cinq fois. Cinq pièges, pensa-t-il, peut-être ceux qu'il m'a volés. L'ennemi traversa ensuite le vallon et fit une autre tournée sur le coteau d'en face. Après une dizaine de stations, il repartit vers les ombrés du pas d'un paisible promeneur. Quand il eut disparu derrière la crête, Pic Bouffig attendit encore un long moment, et puis, ayant replié sa lunette, il descendit par une cheminée et refit la première tournée de l'étranger. Il découvrit sans peine cinq pièges à lapin, et la façon dont ils étaient tendus le fit sourire de pitié. Ô oh bonne mère, et dire que c'est peut-être les miens. Ils doivent avoir vergogne, les pauvres. Il examina des yeux et de l'oreille les alentours immédiats, puis il s'approcha de la base élargie d'une fente qui s'ouvrait dans la pique, et s'y glissa, les pieds en avant, repoussant au passage quelques grosses pierres. Enfin, écartant les romarins, il s'assura que, couché à plat ventre, il pourrait voir à une quinzaine de mètres, un peu sur la droite, l'emplacement de l'un de ses pièges. Il alla ensuite s'y placer lui-même et constata avec satisfaction que le rideau de CAD et de Messug laissait à peine deviner l'ouverture de sa cachette. Il trancha encore quelques branchettes, mais ara du sol sous la mousse et alla les cacher au fond de son trou. Enfin, il redescendit à la nuit tombée à travers l'épinède déserte. Quand il arriva au romarin, il ferma ses volets, prépara une omelette aux tomates qui remplissait toute la poêle. Il la mangea de grand appétit, mais il ne se permit qu’un seul verre de vin, et prit ensuite sa petite gourde il la remplit aux trois quarts de café, qu’il compléta avec de l'eau-de-vie de mare. Enfin, il mit le beau lapin mort dans son carnier, prit sous le bras le vieux fusil chargé, souffla sa lampe et ressortit sans bruit sous les étoiles. Il alla d’abord placer le lapin entre les mâchoires du piège qui était tendu en face de son embuscade, et sourit à la pensée que la vue de cette capture serait la dernière joie de son ennemi. Puis il installa dans la crevasse un lit moelleux d'herbes sèches et de menthe poivrée et passa une nuit délicieuse. À travers le silence sonore du vallon, deux chouettes en amour se répondaient de très loin. Les sauterelles vertes crissaient dans les lavandes. Un heureux grillon faisait vibrer son cri d'argent et Pic Bouffig nageait dans une joie sereine... à la pensée que tout était prêt pour un assassinat. Indispensable, juste, moral et plaisant. De temps à autre, il se régalait d'une gorgée de sa gourde. Puis, il se remémorait tous ses détails de la bagarre... comptait les coups qu'il avait reçus... caressait le vieux fusil et riait tout bas. C'est vers quatre heures du matin, au soleil levant... que parut le redoutable Siméon. Il suivait le petit sentier et venait tout droit vers la vénérable arquebuse. De loin, il distingua le lapin. Il pressa le pas tout souriant sous son grand chapeau. Et après un coup d'œil sur les environs, il se baissa pour ouvrir le piège. Tout proche, un léger coup de sifflet retentit. Siméon se releva brusquement, regarda autour de lui, et il lui sembla distinguer quelque chose de travers. À travers les romarins, un petit rond noir surmonté d'un œil grand ouvert, un éclair rouge, une détonation assourdissante. Alors, il salua profondément, et puis la tête de la première, il tomba sur sa cervelle, parce que la calotte de son crâne était tombée derrière lui, dans son chapeau. Sans daigner s'approcher de sa victime, le vainqueur reprit le chemin du retour sous une glorieuse aurore. En passant au pas du loup, il entra dans le grand lierre qui drapait la barre. Derrière l'épais rideau des longues tiges retombantes, il glissa le vieux fusil dans une fente horizontale entre deux strates de calcaire, le couvrit de gravier, de terre et de mousse. Ayant complété ses funérailles par un salut militaire au garde à vous, il rentra chez lui et ferma la porte à clé. Mais au lieu d'ouvrir les volets, il alluma la lampe à pétrole. Alors, les mains jointes au-dessus de sa tête, il fit une petite danse, la danse de l'honneur vengé, en regardant sauter son ombre sur le mur. Enfin, il réchauffa le restant de café de sa gourde, le but, se coucha et s'endormit dans une grande paix. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.